Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2024. C'est avec joie et avec beaucoup de plaisir que nous revenons auprès de vous dans une autre numéro, bien sûr, où nous allons réfléchir sur la République démocratique du Congo. Je suis vraiment un peu enrhumé, vous allez entendre ça dans ma voix. Et je suis très obligé de venir auprès de vous pour cette émission Réflexion. Au regard de l'actualité qui est vraiment abondante cette semaine, au regard de ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous devrions en principe venir live avec une émission directe. Mais je me suis dit, nous allons essayer un peu de prendre une bonne manière de réfléchir un peu en différé, parce que beaucoup d'entre vous, vous me demandez toujours de continuer avec cette, tranche de réflexion où nous prenons pratiquement 30 à 45 minutes en vous expliquant exactement ce qui se passe et réfléchissant sur les solutions qui doivent être dirigées ou bien orientées notre pays, comment nous réfléchissons pour résoudre les problèmes cruciaux ou les problèmes très importants qui brûlent, qui fait à ce que notre pays continue à s'embrouiller dans le désordre et dans tout ce qu'on appelle les détournements et tout ce qui... Donc nous sommes pratiquement des mauvais côtés. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous réfléchissons sur quoi? Bandekoza, moi, pas si poto loba sujet à l'élo, parce que vous aviez lu ça dans le titre. À l'est de la République démocratique du Congo, petit à petit, l'AFC est en train d'avancer. Nous allons en parler. Ça sera un sujet que nous allons analyser. Et ça sera porté dans le sens comment est-ce que nous prenons ça à partir de Kinshasa. Nous avons vu l'implémentation d'un nouveau... gouvernement provincial de Kinshasa. Nous allons brosser aussi ça. Mais ce qui va être vraiment très important, c'est l'état même de la nation. Toza wapi tozo kende wapi bandeko. Toza wapi tozo kende wapi. Ba négociation à Luanda et Sili, Batubolanda qui réflexionne en gaille sur négociation à Luanda. Mais vous aviez beaucoup de questions. C'est pour cela que je vous invite, bandeko nangaï, bon s'abonner, parce que de temps en temps, vers 19h, entre 19h et 20h, mardi, demain, nous allons encore y revenir très approfondément. Donc, tokoko tango na mozindo, pour totala analyse abilo kwa neza kosala ndengeni. État ya nation na biso eza nini, eza ndenge nini. Comment est-ce que Kinshasa continue avec la même chose? Pendant que l'AFC est en train d'avancer petit à petit, et rassure. Bazako avancer. Les lois, lundi, on nous apprend qu'on les attend à Boutembo à bras ouverts. Naninde azako salamakambo ke salemate. Pourquoi faire de ce nabiso ezako bundate? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, totiki nabiso kena bon. Bangoba ya kakaba salamakambo bazo salakuna biso to okipe angote. En principe, tout le pays devrait se mobiliser pour essayer un peu de mettre la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Mais entre-temps, vous allez entendre dans le parler des généraux qui ont été avec le ministre de l'Information dans un briefing, qui rassure, qui dit que toko reconquérir ba territoire on a occupé. Cette voix n'est pas entendue à l'est, hein? Et là, on a AFC Bazako Lingangote, Bazoko Yoka Yangote. Voilà un peu ce qui va nous réunir cet après-midi ou ce soir, si vous nous suivez ce soir. To réfléchir na nous, tozo kende wapi, toza wapi. Alors, comme toujours, dans Réflexion, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous allons revenir pour qu'on en parle, qu'on essaye un peu de voir ce qui se passe effectivement. Voilà, suivons les grands titres et puis nous allons revenir tout de suite après. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Kassai Oriental, 3 militaires FARDC tués à l'aéroport de Mboujimaï. Akon City, le projet Akon menacé par un ultimatum du gouvernement sénégalais. Nord-Kivu, opposé à l'insécurité des jeunes, barricades des routes à Goma. On va sur actualité.cd. La menace de la variole compromet les opérations humanitaires dans l'est de la République démocratique du Congo. Sénat, Jonas Mukamba dépose sa candidature au poste du président. Affaire de l'attaque de la résidence Kabila, l'identification de prévenus se poursuit à l'audience ce lundi. Congo Profond, depuis Kisangani, Patrick Mouyaya aux jeunes ne partage pas de vidéos et autres contenus qui discréditent le FARDC. Génocoste, gouverneur du Kwango, Willy Bituissila appelle à l'unité. Et puis les dégâts irréparables de l'opération aéroportée à Kitona, les conséquences de l'intervention rwandaise. 7 sur 7, Kinshasa, l'Assemblée provinciale investie et le gouvernement Bumba. Et puis, RDC Lazado réclame la libération de 11 personnes en détention illégale dans les locaux de l'ANR. Enfin, l'indemnisation des victimes d'activités illicites de l'Ouganda, 2000$ par tête dans un premier temps. Et puis pour terminer avec 7 sur 7, cadre de concertation de l'opposition et de la société civile, Claude Loubaya et 7 Kikouni annoncent une séance plénière ce mardi. On va terminer par Radio Okapi. Les rebelles du M23 s'emparent de la cité frontalière de Ishasha. Et puis Boutembo, 5 personnes tuées en 7 jours. Des médicaments d'une valeur d'1 million de dollars consommés dans un incendie à Kisangani. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, l'actualité est prédominée par le sport. Le sport, les Jeux Olympiques, et puis notre frère Bankole qui a massacré l'Américain. Et quelqu'un, Bato Balanda, qui tweet Nangai, na réponse à vidéo, Oyo, a remercié qui le peuple congolais na soutien à Bango. Mais moi, je lui ai demandé de ne pas oublier le 100 000$ qu'il nous a prêté. Totolo Bango n'a n'enga bien. Oyo azwaka 100 000$ wana ekoki kosalisa pona ko sombela taba déplacer à guerre na est à République démocratique du Congo. Le peuple congolais n'a pas oublié, mon frère Bankole. Le peuple congolais n'a pas oublié ça. Et nous ne tolérons pas, nous n'oublierons pas jamais sans que tu ne viennes corriger. Bien sûr, oza kosala lokumu amboka. Mais lokumu wana pour l'instant toza nango besoin te. Toza na besoin ya nini? Ya FARDC na biso. Mboka ezonga nanzela malamu. Kokoso eleki belé. Et donc vous aviez vu donc athlète nabiso na côté à Jeux Olympiques bango nyon surtout baza éliminé na premier tour, donc ça ne nous fait pas du bien. Ezako augmenter eloko moko na oyo ya mikolo nyon sauté. D'autre part, les commentaires sur les réseaux ezokende mingi mingi na santé à mokonzi. Bon, on n'a pas l'information exacte, mais nous nous souhaitons quand même bon rétablissement, ce qui est opérationnel et qui malamou, ou yakenda qui est à santé nae. En tout cas, nous ne voulons pas ce que nous perdions notre président de la République tragiquement. Non, souhait nabiso ezakomona Félix Azonga Azamobimba pour na équilibre mboka nabiso ezala bien. Tolingite makambo mutu akufi boy hatupendi mutu akufe apana, surtout président de la République etu Felix tunampenda sana, abakie pale atutengeneze inchi kama batasikilizana na mna gani passation de pouvoir ikuwe normal. Hatupendi ma désordre ya burebure mwinchi yetu, na ile njo nye tuko tunapenda tuangalie, tuambie watu yote kama nous voulons à ce que Felix puisse azalawana toyokana mboka tobongisango biso nyonso mutute akima mutute akufa. C'est pour cela nous souhaitons bon rétablissement. En tout cas Nzambe asalisaye nzoto ezonga kolongono azonga to yakotala makambo ya kobongisa mboka na biso. Tujenge nchi yetu si ebote. Et nous avons la solution que nous avons proposée au président de la République, c'est cette rétrocession du pouvoir au niveau de la base dont nous proclamons ici. Alors, tokota siko na basije na biso oto ko réfléchir nango. Dimanche le 4, on ne sait pas si c'était précipité ou comment, l'AFC a zui Ishasha. Ishasha est à 60 km na Ruchuru, donc Ruchuru centre. Donc maintenant, Ishasha est à peu frontière na Katia Ouganda. J'ai lu quelque part un titre, je ne sais pas, na monaki na yokaki ango malamute, mais c'est à vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes et puis nazana précision na ngote. C'est pour cela que je vais mettre ça au conditionnel, que la République démocratique du Congo est en voie de fermer l'ambassade de l'Ouganda à Kinshasa. Est-ce que ça, c'est encore une chose? Pendant que les soldats ougandais se retrouvent sur notre sol, tozana ba accord na bango. Est-ce que Kinshasa zo sala makambu na ndenge ya koloba keno bon voilà, Ouganda est comme ennemi ou pourquoi est-ce que vous allez fermer cette frontière là? Pendant que vous avez des accords avec ce pays-là et que les militaires de ce pays-là se retrouvent sur notre sol. Je ne sais pas. C'est pour cela que je mets ça au conditionnel parce que cette information-là, je l'ai lue et Zala qui titre Oyo Batiaki na vidéo Oyo Patrick Mouyaya Abandaki Kopesa à Konani brief de briefing nango ou à recevoir qui quelque temps na week-end Oyo. Malheureusement, j'ai suivi tout cette débriefing, mais quelque part, peut-être que Ngaïne Moutoulazanga qui nani, mais le titre est là, vous pouvez le vérifier. Je ne sais pas si les journalistes voulaient justement attirer l'attention sur sa vidéo, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais nous allons toujours continuer au courant de cette semaine à regarder, à être aux aguets pour cette information-là. Fermer les frontières, ou bien fermer l'ambassade de l'Ouganda, c'est quelque chose de très grave. Pourquoi on n'a pas fermé l'ambassade du Rwanda? Le Rwanda que nous acquisons partout, que non, c'est le Rwanda qui nous envahissent. Mais nous allons commencer à fermer la frontière de l'Ouganda. Eza nini? Eza finalement, toza tozo yeba makambu tozo sala. Est-ce que nous savons ce que nous sommes en train de faire? Eza likambuka nga nazomi tuna na obi, mais finalement... politique en mboka na biso eza wapi? Est-ce que c'est parce que le président est absent? Eza likambo, il faut tomituna. D'autre part, candidature à Sénat, il y a président à Sénat, vous avez sango soki na Patrick Tshisekedi comme azala président à Sénat. Toza Komona, ici, il y a des gens, il y a des machinations politiques qui sont en train d'être mises en place parce qu'on apprend que le président de la République est malade et que Kanaye Zali vraiment un peu désespéré. On commence déjà à pousser les pions pour que Patrick Tshisekedi azala na Sénat. Parce que si quelque chose de très grave arrivait à Félix et que son frère puisse... être président de la République. Banani yango baza kosala makambo oyo. Les Congolais qui sont en train de pousser les pions, dans quel but vous faites ça? Et voilà ce qui est en train de donner encore ezako pesa makambo ya koloba na AFC. Ça énerve finalement les gens qui sont derrière, qui peuvent nous supporter, même la communauté internationale ne se retrouve même plus. Congo est comme un royaume. Moi, je pense que nous sommes en train d'échapper. We are missing something somewhere. Pour l'instant, on ne se concentre pas sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Notre attitude montre que non, cette histoire-là, ce n'est pas de l'urgence, il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. Et moi, je me pose comme question maintenant, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Parce que Ce qui AFC comme kozwa bamboka na pétendenge wana et que bon peut-être c'est une stratégie militaire, on ne veut plus mais les images qui nous parviennent, mes chers amis, ce sont des images alarmantes, ce sont des images qui ne rassurent pas. Donc à un certain moment, ce qui Boutembo, Beni et Kwei, sachez directement que non, Kisangani pesa kokwea. Parce que comme rouleau compresseur, le phare de ces vont abandonner. Bah, équipement, AFC Zosale la paix pour l'instant. Vous allez le remarquer. Et ça, bah, équipement, à phare de ces. Bah, mindouki, bah, camion, bah, biloko, belé, bah, comme Kosale la. Et comme ça, biloko, à phare de ces. Et c'est là où ça fait peur. Donc, bah, soda nabiso. Il y a une petite image que je crois que je vais vous montrer dans l'émission live où je montre les vidéos sur terrain. Vous allez voir, c'est-à-dire qu'on est en train de reculer au lieu d'avancer. Quand est-ce que nous allons récupérer même Ruchuru? Quand est-ce que nous allons commencer à nous battre? Mais vous allez voir, oh, bon, ok, ça va, on est en train de nous organiser, ce sont des replis stratégiques. Entre-temps, nous sommes en train de perdre. Bandekonanga, moi, je ne sais pas si vous êtes vraiment avec moi quand nous avons peur. La peur que nous avons, c'est que nous sommes en train de perdre cette guerre-là. Mais à Kinshasa, c'est business as usual, comme on dit en anglais. Donc, on implémente, on fait la justice, on arrête les gens, l'IDP c'est dans la rue et tout ça. Les désordres pratiquement à Kinshasa, nous ne rassurons même pas la communauté internationale. Bato baza kolanda biso, ou bien baroiko sapote biso. Ils ne se retrouvent pas. On se demande finalement, Congo ango eza wapi bazo kende wapi bazo kanisa nini. Tout le monde se pose les questions. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Mokonzi na bango aza malade. Mais on prépare déjà quelqu'un au Sénat parce que s'il y a un problème là-bas, directement moi nanae azui Mokonzi a ko assurer intérim. Allons-nous vers la fin de l'ère Félix? Est-ce que Moukantombolo a kouéi? Moi, je ne pense pas. Nous ne pouvons pas précipiter la mort de Tshisekedi de cette façon-là. Et moi, je suis contre tous ces beaux mondes-là qui sont en train de prôner la mort de Tshisekedi. Moi, la mort de Tshisekedi va nous faire avancer à quoi? Et là, on n'y a pas de Luka Awa pour l'instant. Qui miezonga na est? Tout ce qu'on peut faire à l'ouest de la République démocratique du Congo, il faut que nous mettons notre drapeau en berne. Que le pays va mal. Mais dans la bouche de nos dirigeants, non, non, on va faire ceci, non. Oh, coopération économique, qui va être sénateur? Tout ça, c'est comme si il ne se passait rien à l'est de la République démocratique du Congo. Et moi je dis aux gens, même si ces investissements-là qu'on est en train de faire, dans ce milieu chaotique, les gens qui viennent, et s'il arrivait que Batou Oyo Bazoui 2 ans pour Nakoya Kokoma na Kinshasa, pendant ces 2 ans-là, Ekozala cacophonie, les gens sont en train de préparer leur fuite. C'est comme ça qu'ils font. Les business as usual, c'est-à-dire que bambongwe bimarakaka nandenge ke biloko nyonso za bien. Tozo sala neti toza na bitumbate, toza problème na biso za bitumbate lelo. Problème na biso za ko résoudre makambo eza na STT. Et là, nous avons les moyens. Je vous recommande vraiment bozanga banani ba live parce que c'est là que nous allons appuyer ce que nous appelons ici par de fait. Par le dire des gens qui tiennent la République démocratique du Congo à l'intérieur du pays. Le Mouami de Batang, il le dit tout en disant qu'est-ce que nous faisons? Faire des scènes à Bissou et Zaliwapi. Tokumisaki awa tolobio ba FARDC baza appuyé par les Wazalendo. Maintenant on en parle plus, c'est le silence. Et moi je crois que les semaines qui vont venir, tant ce qui, s'il arrivait que Boutembo na Beni Kwei, je ne vois pas place ni nango tokobunda. Peut-être Naituri. Peut-être Kachamayo, Jonio ana aza kote kuna na kote Ituri, ne mutakobo ako contre M23. C'est lui qui va faire la contre-offensive. Moi, je ne pense pas. Tout le monde, même les forces armées aériennes, commencent à se plaindre que bazana ba matérialité, bazata na ratio. Donc, c'est comme s'il y a abandon. Dans le président Zali Nambokate, il y a une certaine relâchement. On n'en parle même pas. On est en train de parler des choses qui sont ailleurs. Donc, le Congo, il est ailleurs. Il n'est pas à la place où on l'entend. Place Ninyango, qu'est-ce que nous faisons? Et loko Ninyango tozo sala ya malonga poto mona ke non mboka ezana nuna maboko na biso. Parce que là, nous sommes en train de perdre la pédale. Bon, quelqu'un m'a demandé, mais Germain, est-ce que toi tu supportes le AFC ou quoi que ce soit? Moi je me dis, AFC wana bazako senga Basololana gouvernement à Kinshasa. Là, nous sommes partis causer avec les Rwandais pour les problèmes des FDLR. Parce que c'est cela que les Rwandais est en train de nous mener. C'est sur ce terrain-là que le Rwanda veut à ce que nous parlons avec lui. Le gouvernement n'a pas parlé à Makambo, il y a M23. Non, le Rwanda n'est pas là. Likambo M23 ezala ki na table ta et na table te na Luanda. Likambo M23 ezana na nani na Nairobi na je crois na nani wana na bakoro wana na Nairobi. C'est là où il y avait à ce que gouvernement congolais et sololana, je crois c'est en Ouganda, à sololana ba groupes armés bango nyonso tout. Et là nous perdons sur le terrain. Moi, je ne suis pas un alarmiste, mais je suis en train de voir le fait. C'est comme ça que je me suis dit, tout réfléchir, Nanou. Est-ce qu'il vaut mieux à ce que nous parlions avec les Rwandais ou bien nous organisions face à face gouvernement na M23 directement pour tout l'ingabilo côté? Nous sommes obligés pour l'instant, Bande Konangaï. Pour tout le monde, il faut Congo, tout sololana M23 pour tout Sidi Sabakamba, Babilo Kwana. Parce que de plus en plus que nous sommes en train de reculer, de plus en plus, l'AFC est en train de prendre le goût à Koloba que tozo chassé bino. Ngana banzi que tozo réfléchir malamouté. Notre gouvernement, nous ne réfléchissons pas. Il est grand temps de prendre les taureaux par les cornes en disant, ok, tosiri sabitumba oyo, boyana no tosolo. Créons maintenant un cadre où nous allons mettre les choses. Tout solo la biso na biso parce que batwana bazaba congolais. Soki tokoki kokoloba keno bon ok to solana AFC bino bolobi keno Rwanda zo soutenir bino. Likambo o biso tozo solola kina Rwanda pona ba FDLR. Est-ce que vous pouvez nous aider de détecter les FDLR o bazana kati ya armée ya nani ya Congo? Est-ce que vous êtes capable? Ce sont là des propositions que nous sommes en train de dire que on m'a solo toiko solana na AFC à Koloba. Bon, ok, bino bolobi que bozoa ko bundela Rwanda parce que Rwanda a lobi que non, ba FDLR n'de problème na bango. Nous avions accepté parce que le gouvernement congolais a accepté ya Koloba que non, ba kosala tout que ba FDLR base à la maîtriser. Est-ce que l'AFC peut nous contenir? Est-ce que ba kosali sabiso? Pona kosala kokanga ba FDLR wana. Et ça devient encore un problème très ambigu parce que ça c'est une suggestion que je suis en train de donner ici en disant masolo ni nango tokyo solana AFC. Les réclamations de l'AFC doivent être mises sur table. Na gouvernement lobi bon les cessez le fait et ou takana Chine soki na Washington te. Nous devons négocier le cessez-le-feu avec les personnes avec qui est en train de menacer notre sécurité. C'est pour cela que moi j'évoque ici le problème des FDLR. Parce que toyebi ke AFC za soutenu na Rwanda. Et accord na bango na Rwanda biso toyebi angote. La population congolaise toyebi angote. C'est comme c'est ainsi que ngai na bandai koloba na bino na obi. Moi mon problème ce n'est pas que AFC est à la soutenir na Rwanda ou quoi que ce soit. Moi je regarde ce que eux ils amènent sur table. Ba réclamation na bango za nini? Qu'est-ce que eux veulent? C'est comme cela, en tant que nous, Congolais, nous pouvions nous mettre d'accord en disant bah problème nabino ezanini. Bah problème nabino, est-ce que ça commène à ba Codeco? Est-ce que ça commène à ba groupes armés moussou ba Touarenevo ba nini? Ce sont toutes ces histoires-là sur une table, et aussi dit Samakamboana. Et moi, je me suis dit, la meilleure... Kosala biloko oyo ezate ke gouvernement congolais et banda koloba keno biso sikoto okende face à face. Moi ce que j'ai dit, il faudrait laisser le peuple à la base de faire une négociation avec ces gens-là en disant mboka na biso eza mboka moko to kanisi keno mboka na ndengo tozo kende ezokende malamu te. Refondons ce Congo-là, tous les mécanismes, il y a qu'on résoudre les problèmes globalement en disant que tous les Congolais ont droit de parler, ont droit de mettre une suggestion sur table. C'est comme cela que nous nous sommes dit, la meilleure des façons que nous pouvons le faire, c'était d'appeler les états de lieu de chaque territoire. Pour tout préparer la constitution à Sika, l'Ikambo et la FDLR, ce qui est sololité, une solution globalement, ces gens-là de l'AFC vont continuer à prendre par force. Sans notre assentiment, et ils vont imposer une nouvelle loi qui sera bien sûr back-up par les Rwandais. Et ils auront les dessus. Bon, on a bien place au Bandekonangaï. T'osons réfléchir, madame. S'il arrivait que l'AFC arrive à Kinshasa, la réalité, ça sera quoi? Ça sera que maintenant, il faut foutre à Batou. Oh, bah, ça, ici, bah, on va comme à Kinshasa. Il est grand temps de créer une plateforme générale. Oh, yo, ya, koloba, que non. Bandeko, nous sommes menacés par un pays étranger. Parce que moi, je suis sûr et certain, même les gens qui sont en train de rejoindre l'AFC, AFC Zako convaincre Bango, ils ont des revendications qui sont légitimes aux Congolais. Ce qui est un problème avec la FDLR et que intéressé Rwanda et backup Bango et support Bango, il y a quelque chose qu'ils vont tirer, il y a des dividendes que non, ceux qui Mnamakambo AFC Salemi bien oh bah élection oh je suis en boca oh tout ça. Si nous pouvons trouver une solution et que nous tous ensemble nous pouvons trouver une solution à la FDLR, Tolobi non FDLR et Okikozala maîtriser la modèle nini en connivence avec Bissonio surtout l'ensemble du pays. Toyebi problème que non Batu Oyo ne mtubaza ko menacer sécurité à Rwanda. Batouana baza epana biso bango oyo to maîtriser bango. Nous rassurons nous tous que non, ce problème là nous allons les résoudre. Ça peut mettre une accalmie dans toutes les choses. C'est pour cela que je me suis dit ce problème là ne peut pas être résolu par le gouvernement de Kinshasa seul. Parce que même les mêmes revendications que AFC Zanango, il y a des mêmes revendications même na politique à Kinshasa. Il y a des gens qui savent que non AFC za koloba makambo solo. Mais comment est-ce qu'on a résolution d'Engenin? Où est-ce que nous allons trouver? C'est pour cela que nous ici, nous avons pris la forme à Koloba Keno. Autrement résoudre le problème au Congo, ça doit être une négociation globale. Donc, dialogue moko global sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toele la bokonzi à Kinshasa te parce que ce qui AFC et zui bokonzi à Kinshasa, c'est-à-dire bato bakozala na simana bango, et ça les mêmes personnes qui sont venues avec Laurent Désiré Kabila, les mêmes personnes qui sont venues avec Kabila. Tout ce bon monde là, il y aura encore ba groupes armés, wana ba intégration, ba mixage, ba nini, ba biloko wana. Ça c'est quelque chose que nous devons éviter. Mais si nous ne nous mettons pas d'accord en nous regardant en face en disant to solo la bisognon surtout. Ma solo anez à la concentrer dans le groupe mon côté. Parce que ce groupe-là peut être influencé. Nous avons un problème très très crucial, fondamental à Mokanabiso. Et ça, programme Moko ya Congo, Oyotoebi que Congo est éparpillé. Le problème, c'est que les Congolais ne se connaissent pas. Nous n'avons pas une certaine cohésion nationale. Cohésion nationale, on a obtenir à Ondengeni. Et cette cohésion nationale, si nous pouvons entamer un processus ya kobanda, cohésion nationale, on a tokosili samakamunyo soezana este wana. Toko sololana batunyo surtout parce que toko lobabo a on a fizi problème ezanini a on a Boutembo problème ezanini a on a Ruchuru problème ezanini batunini yango baza ba congolais awa problème na biso toza ko proclamer Congo asika po koma na bokonzi voici les chemins qu'on devrait emprunter toyo kana. Mais ceux qui tozo kendekana ndenge aloma boy toza ko tcha biloko akoloba keno nous allons vous diriger, nous allons vous faire ceci. Voici une France de notre population, il y a Batumoko Boebazui Mandoki, Bakeko ça rallié, Kakana même partenaire Wana. Pourquoi? Parce que le même partenaire a un problème avec nous en République démocratique du Congo que la communauté internationale supporte. Batuana bazako yebana keno bazala kati armée na biso. Oyo Rwanda zana kati ko faire avancer akoloba keno. Ces gens-là menace notre sécurité et nous devons être prudents. Et que ces histoires-là ne peuvent pas être répétées encore une fois de plus. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que j'avais mis. Yangona elo bakanabino, ceux qui vous abonnez, vous comprenez ma kamususu, n'engen tozo évoluer na ngote. Bon s'abonner comme ça, boye, batang Hollandi kuna lobia ah. Donc situation est comme iboy. Ngai naza koloba ah, moi je prône un dialogue national que nous avions dit qu'il devrait être fait par ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Chaque territoire doit avoir une assise à Koloba, Tosolola, Tozoabomoko, Yambo Kanabiso. Et ça, nous allons traiter du problème de la constitution. Yassika. Problème à identification à la population Nabiso. Ça, ce sont là les deux sujets que moi je me dis qui sont fondamentaux pour l'avenir de notre pays. Ce qui est bon mon côté, si nous n'avons pas une entente, ce qui est cadré, tous les grands problèmes qui se passent à l'intérieur de notre pays, sur la façon administrative, économique et tout ça, c'est ça que je me dis, il faudrait que nous puissions jeter un coup d'œil sur une nouvelle constitution. Comment est-ce que nous allons réformer notre pays? Résoudre les problèmes à Est Mandoki. Si nous laissons, si nous nous entêtons comme nous sommes en train de faire maintenant, nous avons encore du pain sur la planche parce que problème est qu'aux zonga akaka soki AFC et Zumboka Mobimba. Tokozalaka divisé. C'est comme cela que je me dis. Et j'appelle aussi à cela. Je commence à faire une alerte. Yabatoyo. Qui sont probables que Bako remplacer Tshisekedi avant 2028. Parce que de la façon dont nous sommes en train d'aller comme ça, l'entêtement du gouvernement de Kinshasa a appelé un dialogue national que moi j'appelle les états de lieu de chaque territoire, où nous allons discuter les problèmes fondamentaux du pays. Pas discuter avec les groupes armés comme ça, non. Que ces groupes armés vont se retrouver dans la population où ils ont combattu problème à Oezaboy. Problème à Oepana, biso Ezaliboy. Biso Tolingiboy. Parce que quelque chose na AFC tant on va conquérir Bambo Kana. Exacte que bazoyana batu bazako placer na non bazoko lobake non. Bino a en attendant que to libéré ba côté mususu, organisez-vous à mettre un gouverneur. Ça c'est platonique, ça c'est cosmétique. Mais ça deviendra fondamental lorsque ceux qui basent Bokonzina Kinshasa, ceux qui basent Mboka Mobimba, ils vont imposer une ligne de conduite. Peut-être vous allez avoir des gens qui ne sont pas de votre contrée qui viendront conduire une politique à Bango Ndenge Bazako Kobaeli Bango. Alors vous serez exclus. Nous serons exclus, c'est ça ma peur. Moi je réfléchis, je me dis dans les 5, dans les 6 mois, dans les 10 années, si le pouvoir qu'est-ce que ça peut venir? C'est là où je suis en train de vous amener, mes frères. Naza komemabino koto na ko réfléchir que Mboka, ceux qui m'ont azui Mboka lobi bon ok, nga mtu nazo kambabino na makasi. Nous allons marcher selon lui. Parce que yé moutouazana mandoki, yé ne moutouag a salisi biso ko benga na monguna selon eux, monguna na biso ezali Tshisekedi. Notre frère. Tshisekedi azo koka ko bongisa mboka te. Est-ce que soki bango ba pesi bango bokonzinde ba ko bongisa mboka? Ba koyela biso makambo te o Rwanda banda ko salela biso te. Na tango Kabila. Moi, je pense que c'est ça que c'est là où je voudrais vous amener à réfléchir que non. Le gouvernement de Kinshasa doit faire des sommiers à organiser un dialogue, pas un dialogue direct pour aller maintenant. Parce que quand ceux qui tozokendena bango, ceux qui tolobito kendeto solana AFC face à face, AFC kolobana bango, non, démissionnez. Vous n'avez pas réussi, démissionnez. Mais après, qu'est-ce que ça va faire? Ceux qui Tshisekedi a démissionné et après? Qu'est-ce que nous ferons? Ils ne nous le disent pas. Peut-être que les cadres sont formés, mais la population n'est pas informée. Mais ça ne sera pas un programme, une vision que les Congolais savent. C'est comme ça que moi je me dis, avec les états de lieu, Félix Tshisekedi, Zongela Biso Awa, convoquer des états de lieu pour préparer la 4e République. C'est là où nous voulons aller. Convoquer les états de lieu pour former un nouveau Congo. Dans le nouveau Congo, nous prendrons en compte toutes ces réclamations-là à Koloba. Tout résoudre en état de lieu, il y a Mboka na biso. Total Mboka na biso, ce qui tokobanda Mboka ya sikana 2028. Mais comment est-ce que nous pouvons entamer cette transition? Et qu'on a la volonté à Malamu à Koloba que non. Ce n'est pas que nous allons former un gouvernement d'union nationale au Bino Bokokota Té. Nous allons faire quelque chose peut-être à Kolobakeno. Nous allons nous arranger de façon que nous préparons un nouveau Congo par ces états de lieux après avoir identifié les Congolais. Pendant ce temps-là, Tshisekedi peut rester au pouvoir, mais Tokoyoka n'a pas pouvoir na bango ekosuka wapi na nani na comment est-ce que nous allons aménager ya ko accommoder ba réclamation na bango, mais les réclamations devront être inscrites dans un mémorandum dans un mémorandum depuis les territoires. Batuna katia ba territoire akuna ba koloba bon voilà. Comment est-ce que nous voulons que Congo Nabiso et Banda Kozala dirigé? Voilà comment est-ce que nous voulons Mutusoka Lingaza la président de la République. Voilà. Totikana nous makambaba parti politique à côté. Si l'AFC peut venir en disant OK, Biso Toyo a une alliance au gouvernement Boyena Mamakamuna Bino PK Awa. Tosolo Lananu Tozieba Nini Anweza Kosala Mabiente. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous pouvons trouver une solution ensemble? Nema solo ana parce que ce qui tolobi token de face à face token de négocier na M23 na ba AFC na gouvernement na biso. Bakoyebi sabino ba makambu o bino ba kokako sala yango te. C'est pour cela que moi je me demande, je me dis prenez le devant de proclamer un nouveau Congo en ce que Batouana ou Basimba Mandoki Bazala na place ou Bazali. C'est comme ça que nous pouvons obtenir un cessez-le-feu. Cessez-le-feu, on a toqué obtenir un on a Batounion, surtout na Bakodeko na Banani, même en Ituri, par-ci sur toute l'étendue de la République, Bamasolo, Batouba, Kendeba, Vanda, Basolo là. Vous allez réclamer, vous allez remarquer que na koti mingi mingi na lingala. Pourquoi? Parce que moi je pense que njo saya kutia bitu yote hapa kumeza na bitu gani njo bitasumulikiwa kumeza ni configuration ya inchi ya mupya yenye tunatafuta kuunda. Parce que cette nation d'aujourd'hui, ce Congo d'aujourd'hui, elle est pratiquement amour. Ça ne peut pas marcher de cette façon ici. Le Congo ne se développera pas dans le désordre. Le Congo se développera dans la discipline et dans l'entendement où nous aurons cette cohésion nationale qui est le plus important. Où nous savons là où nous sommes en train de partir et nous construisons en fonction de notre vision d'ensemble. Nous ne pouvons pas développer notre pays avec une vision d'une personne, oh, vision à Tshisekedi. Non, ce pays n'appartient pas à Tshisekedi. Ce pays n'appartient pas au Banande ni au Baluba. Ce pays appartient aux Congolais. Moutounio surtout na Congo, il faut la conscience Kolobakeno. Si je travaille ici, je ne travaille pas pour moi-même, je travaille pour la réussite de notre vision. Comment tozo tongambo kanabiso? Comment expliquer que non? Nous faisons un bout de route et nous disons que ça nous a coûté des millions de dollars. Bambon wana rikoki kozala justifié. Mes chers amis, moi je pense qu'il est grand temps à ce que nous puissions retrousser nos manches et commencer à travailler. Le Congo ne se développera pas par des discours. Ça ne se développera pas na koyemba banzembo. Non, ça ne se fera pas comme ça. Nous devons travailler, nous devons nous mettre ensemble en disant voici là où nous avons failli. Depuis l'indépendance, Tokokate, Kozala na carte d'identité. Quels sont les processus que nous devons faire? Quel est le plus important pour que tu identifies Batou? Bazala kakimia na kati ya babituka na bango. Baye bakeno. Oyaza ndeko na ngai, oyaza mokonzi na ngai, oyaza liboye. Yende moutou aza kosala kote kuna, mbongo aza kozitilize azo salabo. Que chacun se retrouve. Et chacun ne se retrouve pas dans l'indiscipline, dans le désordre qui se vit en République démocratique na ndenge ya boye. En tout cas, moi je suis vraiment très ahuri. Nazo ezope sanga pasi, mboka tozo kokate. Et nous ne sommes pas conscients. Et le quoi n'est-ce que ça la confiance te. Ba Congolais bazar sous confiance na gouvernement na bangote. C'est partout. Okoyoka koto boyoka bota boyoki na ba actualité awa na ba titre ya grand ya ba nani ya ba journaux na biso. Il y a des morts par-ci, des catastrophes naturelles. L'État n'intervient pas, l'armée est en désordre, on ne sait pas qui dirige, tout est en moule. En tout cas, si vous me suivez là pour la première fois, je vous demanderai encore une fois de plus de vous abonner parce que vous connaîtrez comment est-ce que nous sommes en train d'aller d'évoluer. Aujourd'hui, je me réveille, je me dis, Ishasha quoi? Mais Kinshasa continue avec Bazo Salakaka, c'est normal que Ishasha quoi. L'obitokoyo Kabutembo quoi. Après demain, ça sera objectif ici, ou bien Bounia, ou bien Ituri. Et ça sera normal pour tout le monde. C'est par là que moi je vous dis, attention. Attention, parce que certains d'entre vous, ceux qui sont au pouvoir maintenant, pourront fuir ce pays ici. Il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir sur une solution globale. Et la solution globale que nous pensons qui peut être appliquée, c'est de faire appel à un nouveau Congo, proclamer un nouveau Congo et mettre les démarches pour arriver à réaliser cette vision-là de ce nouveau Congo-là. Et c'est comme cela que nous avions demandé au président de la République. Rétablissez-vous plutôt d'urgence, rentrez au pays, si vous nous suivez encore une fois de plus. Venez proclamer la 4e République et mettre le schéma qui nous amènera justement à cette 4e République. Et nous pensons que le chemin qui pourra nous amener à cette 4e République, c'est cette proclamation et ces appels-là aux états de lieu de chaque territoire en demandant à tous les enfants de chaque territoire de se mettre ensemble afin de réfléchir sur un nouveau Congo. Et comment résoudre les problèmes administratifs de notre pays. Donc, ça, dans ce colloque que j'appelle les états de lieu, je pense ce qu'il faut avoir comme sujet, si je peux me répéter dans cette vidéo, c'est deux choses simplement. L'identification de la population et la réélecture de notre nouvelle constitution. Comment est-ce que nous prévoyons la distribution, la configuration de l'État, toute la thématique d'une nouvelle constitution, comment est-ce que nous pouvons la modifier ou changer cette constitution-là? Et les ébauches devront venir de chaque territoire où les AFC sera maintenant localisé. Ce qui va au Baouélé, rejoignez les politiciens de Baouélé, mettez-les d'accord en disant bon, ok, voici comment est-ce que nous allons commencer à faire de bonnes élections. Voici comment est-ce que nous allons donner le pouvoir à qui des droits. Voici comment nous pensons que le Congo nouveau pourra marcher et oublier tous ces bandits qui nous ont dirigés pendant 60 ans. Votre vision pour un nouveau Congo, vous l'implémentez au niveau de la base, vous faites convaincre au niveau de la base et vous allez maintenant causer avec les autres territoires pour harmoniser votre province. Et vous y sortirez avec une proposition. Et cette proposition sera discutée avec les autres provinces. Ça, au moins, parce que au niveau des territoires, lorsque nous aurons trouvé des solutions et continuer avec l'identification, nous allons désigner certaines personnes pour aller avec notre proposition au niveau des provinces. Dans les provinces, nous harmonisons le texte et nous les amenons au niveau national. Et c'est au niveau national que nous pourrons harmoniser les textes pour avoir une nouvelle constitution. Pendant ce temps-là, que les discussions pour l'harmonisation des textes vont aller des territoires, provinces et puis au niveau national, il y aura identification de la population pour que nous puissions avoir le nombre exact des Congolais. Et c'est par là que nous pourrons maintenant se dire, bon, ok, nous allons faire maintenant un référendum pour adopter une nouvelle constitution. Et lorsque le référendum se fera, nous saurons combien de personnes de Congolais sont na cohésion wana tokozwa déjà yango. Même avant le lancement de cette nouvelle république, il est grand temps que nous puissions passer à un nouveau Congo. Refondons ce Congo maintenant. Bandeko. Ceux qui vous ont abonné, abonnez-vous parce que nous continuerons dans une autre émission à vous expliquer l'importance de cette proclamation du nouveau Congo. En passant par justement ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Merci pour les amis qui sont en Australie. Je pense ici à Raymond Paki, le président, il était ici en Afrique du Sud. Je pense à Bernard Mouindo et tous les gens qui sont en train de m'appeler pour m'encourager sur cette dans cette lutte que nous avons. Et nous, nous avions décidé à ce que tous les moutons devront être des lions. Jusqu'à ce que tous les moutons pourront devenir des lions. Parce que tous ceux qui sont ensemble, le plus grand. Et si nous formons notre propre moyen à sortir et qui va réunir tous les Congolais ensemble, je crois que ce sera la solution. Et nous serons grands, même au niveau du monde. Et par là, beaucoup de monde a investi, et tant que ça fera confiance à avoir beaucoup de gens dans notre pays. Et nous aurons à maîtriser. Qu'est-ce que nous tirons de ceux qui viennent et tout ça? C'est pour cela que je vous encourage aussi encore une fois de plus. Beaucoup Melangai, bon joindre l'émission. Comme ça, nous pourrons pousser notre pays un peu en avant. Je me suis arrêté là aujourd'hui en espérant que vous aviez aimé. Et si vous aviez aimé, laissez un petit like et partagez surtout nos émissions. On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.